Salut sur Samus, on se retrouve pour une nouvelle série, la série One Shot, où il va s'agir de tester un jeu en une vidéo. Donc là, on va commencer aujourd'hui avec Trap and Dead, un action tactique à la Commando qui date de 2011, qui a été assez mal reçu par la critique. Et moi, je trouve qu'il y a des bonnes et des mauvaises choses. Autant le jeu, le truc est plutôt sympa, une pointe d'humour, rien de foufou, mais bon, c'est sympa. Par contre, dès le début, la caméra est assez pénible et genre là, il n'y a pas de paramètres. Genre pour charger, tu es obligé de lancer une partie avant de pouvoir régler tes paramètres, ce qui est complètement débile. Bon allez, on commence, nouvelle partie. J'ai pas beaucoup joué, je connais très peu le jeu. J'avais testé une fois et mais j'ai pas le temps de le finir. Et je le finirai sans doute jamais. Vous êtes au milieu de nulle part. Pas de bol. Et votre voiture est complètement à sec. C'est con ça aussi ça. S'il y a quelqu'un dans cette station service, miteuse, il y aura peut-être de l'essence pour nous aider. I'll check if the station's open. Là, cette session est ouverte, Billy. Ok, I'll stay in the car. Oh, buy some beer. I've just opened up the last one. Ouais, bien sûr, il y a marqué pigeon sur ma gueule, j'ai que ça à faire. Bon, les déplacements, c'est classique, hein. On peut marcher, on peut courir, on arrive. Normal. T'arrives dans une station service, le chien en train de se faire picorer par un corbeau, c'est au calme, tranquille, normal. Il y a aucun souci, aucun lézard. On va aller visiter ça un petit peu. Y a quelqu'un? Y a pas d'essence dans la, je sais pas, la station essence là-dedans? Il devrait y avoir de l'essence techniquement parce que bon, je veux bien qu'il y ait des zombies, mais est-ce que les zombies sont dit tiens, on va les faire chier, on va virer toute l'essence de la station? Non, peut-être pas, non. Parce que là concrètement, les mecs qui sont pas au courant qu'il y a une épidémie, c'est que ça fait pas 50 ans qu'elle est lancée non plus. C'est donc s'ils sont partis pour faire un road trip, ils sont pas partis il y a 50 ans. On peut ouvrir la porte, ça c'est bien. Holy shit! Ça fait penser à la scène d'intro du premier Resident Evil quand tu rentres dans le truc et puis t'as parfois le zombie qui se retrouve en train de bouffer le cadavre. Il a à peu près la même tête. La porte se ferme. Ah mais ça me pas la clé donc c'est con. On a juste à la rouvrir. Une batte de baseball. Ce qui peut être utile là. Cependant, bon, dans tous les cas, on va marcher. Qui a dit que c'est mal d'avoir recours à la violence? Oh que non! Protéger l'équipe des armes, blablabla. Voilà, là je me sens bien. N'oubliez pas, un grand pouvoir vient d'une grande responsabilité. Qu'est-ce ce machin avant qu'il ne vous fasse mal? Un grand coup de batte dans la gueule, les mecs! Y avait rien de mieux? Et la picole, là, par contre, hein, ça, station service, la picole, toujours, hein, on ne doit pas être loin d'Allemagne ou de Pologne. Hein. Surtout en Pologne, les stations service, c'est que de la bière, c'est fou. Et une bande d'arcade, est-ce qu'on peut faire un petit parti de Galaga ou je sais pas. Bad game. Bon, on va pas faire le touriste. Hein. On va y aller, par contre, en marchant. Parce que, à mon avis, sinon, c'est trop flag. Est-ce que tu peux lui mettre la batte dans la bouche? Qu'est-ce que tu fais? Non! J'ai dit de lui mettre dans la bouche! Voilà! Là on est d'accord! Là on est bien! Merci! Là il y a un zombie à côté, il allait faire. Tiens, on va visiter. Par contre, c'est verrouillé là ici. Ah merde! C'est verrouillé. Est-ce qu'il y a une clé dans le coin? Ah, c'est marrant. C'est la première fois que ça me fait ça. J'ai déjà joué, mais justement, on passait par là, c'était la suite. Du coup, à chaque partie, ce serait pas le même chemin. Ce serait... Et c'est verrouillé ici aussi. Est-ce que c'est pas un bug parce que j'étais ouvrir la porte avant de défoncer le mec? Oh, ça sent tellement le bug! Ouvre la porte! C'est un bug! Sérieux les mecs? C'est un bug! Mais non, mais... Voilà, c'est la fin du jeu, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, hein. Non, mais sérieux... C'est normalement... Ça fait, je l'ai le début, je l'ai fait 2-3 fois ce tableau là, et vite fait c'est ce qui s'appelle tutoriel. Tu lui défonces la gueule, t'ouvres là,
et tu continues dans ton chemin pépère au calme. Enfin, au calme. Mais là, c'est verrouillé ici. Apparemment, c'est verrouillé là. Donc, c'est un peu de la merde ce jeu. Hey, le corbeau fait patapute, vas-y, viens ouvrir. Non, y a rien. Non, bah voilà, j'ai fait bugger le jeu. Bon, bah voilà. Bah, je voulais dire un peu de bien du jeu. Ce jeu s'est tapé en 11-14 sur jeuxvideo.com. Bon, jeuxvideo.com, c'est loin d'être une référence, hein. Bon, je vais pas partir dans la polémique, mais bah, c'est clairement pas une référence pour moi. Mais je trouvais ça injustifié, un peu 11-4. Mais là, je me dis que. Bon. Jeu qui bug sur le tutoriel. Le tutoriel, les mecs. Les mecs, ils ont fait un tuto où tu peux perdre dans le tuto, mais perdre bloqué quoi. Bon, bah, on va recommencer. Hein. Écoute. Option, annuler. Tu quitter pour redémarrer. Bon, bah super. Voilà, c'est bien, ça commence bien. Bon, ouais, voilà, marqué pigeon sur ma gueule, on est au courant. On va se refaire ça. Heureusement, j'étais pas très loin. Allez, 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 cours, allez, cours, allez, allez, allez. Une porte d'entrée. Une batte de baseball. Bah oui, il y a un zombie, on sait, ça se ferme. Oui, il y a une batte de baseball, on va lui péter la bouche avec, on est d'accord. Bon, on prend la batte de baseball, on rattrape le temps perdu. Voilà, un grand pouvoir implique de lui défoncer sa gueule à coups de batte de baseball. C'est bien que. Non, je dis prendre la batte. Et. Non, tu prends la batte. Et tu défonces la gueule. Voilà. Là, on est bien. Cet endroit n'a pas d'essence. Vous en trouverez peut-être au garage ou au supermarché. Oui, parce que c'est sûr que dans la station-service, il n'y avait pas d'essence. C'était pas. Et là? Ça s'ouvre! C'est magnifique! Ah, magnifique. C'est un peu de la merde ce jeu quand même. On dirait que le fusible est endommagé. Réparez-le pour allumer la lumière. Parce que du coup, les zombies, ils sont bricoleurs. Ils pètent les fusibles pour bien te faire chier pour être dans le noir. Comme ça, ils peuvent faire des screamers. Clic gauche pour interagir avec les objets. Je suis là. Si j'active ça remet la lumière ici. C'est le zombie, il s'est dit, quitte à bouffer, je vais bouffer dans le noir, on sera plus pépère. Voilà, petit dino aux chandelles tout seul. N'oublie pas qu'on fait plus de bruit, bah oui, forcément. Bah écoute, on prend ta batte de baseball et tu lui pètes les genoux. Voilà, comme ça. Des bruits chelous. Il y en a un autre là. L'interrupteur de l'ascenseur de service. Il utilise divers pièges avec imagination permet d'éviter de dangereux contacts directs avec les monstres. Bon, pour moi, ils sont plus directs que dangereux les contacts. Hein. Mais bon, soit. On va appuyer sur le petit bouton et là, purée de zombies. Bah voilà, on est bien. On est bien. Enfin, on est bien, il n'y a pas d'essence toujours. Hein. Il y a des corbeaux, des zombies, tout ce que vous voulez. L'essence, de l'électricité, des fusibles, de la barbe à papa, des jeux vidéo. Ce n'est pas compliqué, une station-service. Ça doit avoir de l'essence normalement. Retournez à votre voiture, Gérald aura peut-être une idée. Bah oui, ce fameux Gérald, on l'a oublié. On l'a laissé tout ça avec les zombies. Gérald a besoin de votre aide, vite! Il n'a plus de bière! Apportez-lui une bière ou il va mourir. Et donc du coup, on va courir, lui mettre un pain dans la gueule. Dans la bouche, les mecs! Oh que oui! Oula, il y a des spasmes. Voilà, tutoriel fini. Il n'y a pas d'essence dans la station-service. C'est très con. En plus, Gérard s'est fait blesser. C'est trop bête. Avec un peu de chance, à la prochaine ville, il n'y aura pas de zombies là-bas. Et quelqu'un pourra peut-être même te réparer. Trop du mal. Il y a un hôpital. Il n'y a aucune raison qu'il y ait aussi des zombies là-bas, Billy. Succès de la mission. Bah oui. Tant mieux.
On va faire le deuxième tableau. Cela, du coup, sinon, pour une vidéo de 10 minutes, ça va pas être terrible. Gérard, tiens bon, je vais te laisser ici tout seul dans la voiture alors qu'il y a des zombies, des voitures accidentées de partout. Il n'y a aucune chance qu'il t'arrive quoi que ce soit. Et puis, t'as le sang qui coule au niveau de la jugulaire. Ça craint rien. Hein, Billy? Ah, les giclures. T'as l'impression que les mecs ils sont restés dans le coma pendant 50 ans. Et ils ressortent, généralement c'est le Micmac, c'est genre le mec. Bah, comme un peu la Resident Evil, le film. Hein. Moi c'est un nanar que j'aime bien, hein, le premier Resident Evil. Et à la fin t'as là. It looks like somebody's still alive. I'll try and find out where the survivor is hiding. Ou alors il y avait atelier écriture chez les zombies. Hein. On sait pas, et puis là on sait pas de quoi t'en sers, puisque visiblement les mecs ils sont dans le coma depuis 50 ans. Voilà. L'autre est en train de bouffer, bah même ça châtiment. On va y aller sans faire de bruit, pour pas qu'elle nous remarque. Et là, on lui pète la gueule! Allez, dans les genoux! Rip le respect. Mais ça me l'arrivait trop tard, Billy. Mais tu peux quand même piller l'endroit. Ça peut servir. Bah écoute. Un pistolet qui n'a pas de balle. On peut toujours mettre des coups de crosse. C'est la scène des Pirates des Caraïbes. Avec les pistolets qui l'ont foiré. Là, t'es là. Et on peut toujours se mettre des coups de crosse. Ah bah oui, ça marche. Suivons le sang, c'est toujours une bonne idée. Hein. Parce que bon, on est dans un hôpital rempli de zombies. On va continuer son chemin. On va s'aventurer à l'intérieur. Ça peut être que bénéfique. Il y a des corbeaux partout. On se croirait dans les oiseaux de Hitchcock. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous le conseille. C'est un bon film. C'est du bon, mangez-en. Oh oui, des balles! Assurez-vous que le personnage possède une arme dans son inventaire. Parce que si t'as des balles et que t'as pas d'armes, c'est trop con. Mais aussi, il faut que tu penses à mettre les armes, enfin, les balles, dans le pistolet. Parce que sinon, c'est inutile. Voilà. Bon, on continue. Y a plein de sauvegardes devant vous. Oui, parce que la bouche d'égout est un endroit safe, les enfants. Si un jour vous êtes poursuivi par des zombies, vous allez dans les égouts. Comme ça, vous avez toutes les chances d'avoir Damn! une septicémie en plus des mentions de zombies. Et là, t'es bien. Ah oui, y a du monde. D'accord. Bah là on va faire le quoi, hein. On va y aller tout doucement. On va pas faire de bruit pour pas qu'ils nous entendent. Parce qu'ils sont en train de bouffer. Eh, je marche, les mecs, vous avez pas le droit de m'entendre là. C'est pas RP ça. C'est pas RP les zombies. Avec le 3 Garry's Mod. Hein. Je suis en train de marcher, techniquement. Non mais... Barrez-vous. Il y a un autre point de sauvegarde. Dans les égouts. Ouais non, parce que les égouts c'est ça, parce qu'il y a les tortues ninja là-bas. Bon par contre... On va cavaler un peu. Bouge ton cul le vieux. Cours. Comme une vieille pucelle. La caméra, rip la caméra. Là. Allez, casse-toi. Vas-y, ouvre la porte. Est-ce que tu peux fermer la porte? Ah bah très bien. Voilà, comme ça. Des zombies, encore des zombies, mais là au moins je les ai pas tous d'un coup. Oh non, la porte est fermée, c'est trop con. J'aurais bien bouffé un bout de Billy. Bon, on va marcher par exemple pour éviter de ramener tout le monde. Là, il y a Josiane qui est là-bas. On va y aller tranquillement. Ah, il y a Pascal et Bertrand 2 en train de tourner en rond. Les mecs, ils sont chiés.
coup, là, il y en a qui est... L'ascenseur à son compte, mais vous pouvez l'utiliser comme point de sauvegarde. Oui, les enfants. Si un ascenseur est hors service, réfugiez-vous dedans. C'est complètement safe. Par contre, il y en a un qui s'est pris pour Jésus, là, concrètement. Il est complètement crucifié. C'est mignon tout plein. Il n'y a pas moyen de faire un selfie avec, non? Là, il y a Bernard. Bernard qui a une petite faim. Vas-y, hop. Occupe-toi de Bernard. Bernard! Hop. Ça, on sait pas comment il s'appelle, on s'en fout. Ah! Oh le cri! Ah! Ah! Ah bah dis donc! C'est pas de bol! Non! Ah bah là! Mais non mais! Faut le taper, Billy! Faut le taper! Ah là! Bien, Billy! Par contre, t'es en train de saigner là! Est-ce que les soins ça marche ou pas? Ça rend pas grand chose, hein. Hop. Non, mais pas le QLR, les mecs. Pas le QLR, c'est dégueulasse. Franchement, ignoble, quoi, les mecs. Aucun respect pour la pudeur. C'est pas parce que t'es un zombie que ça y est, tu te relâches et tout, tu te mets à poil. Non, c'est trop facile aussi, après. Par contre, là, il y a un mec assis. C'est un zombie à roulette. Zombie à roulette. Holy shit, quick, close the door. We're surrounded. What? Who are they? What's going on here? Qui sont-ils? Parce que le mec a jamais vu de film d'horreur. Il connaît pas les zombies, ah bah c'est sûr. First of all, calm down. Yama, tu fermes ta gueule et tu fermes cette putain de porte. But you gotta help me. My friend's been bitten by one of those monsters. He's still in the car. He needs medical help right now. Oui, on a laissé tout seul dans la voiture avec les zombies tout autour du bâtiment, mais à mon avis, on peut encore le sauver. Okay, relax. The shortest path to the parking area leads through the cafeteria. If you help me get out of here, I'll take a look at your friend. Ouais, c'est bien. Un estropié en plus, on est safe. Le chemin le plus court, c'est pas en pétant la vitre. Celui-là, vous êtes au premier étage, les mecs. Les vitres, elles sont là. Même roulette, il peut passer si tu l'aides un petit peu. Faut pas se foutre de la gueule du monde, quoi, j'ai envie de dire. Puis même là, tu peux passer, quoi, en vrai. Bon, les mecs. Ça, c'est pour prendre les deux, je suppose. Non. Roulette, viens là. Avec les petits crispements. Vite, roulette. On est poursuivi. Je peux pas avoir les deux en même temps. Allez, voilà. Bon, le point de sauvegarde. Est-ce qu'on peut passer? Non, on peut pas y aller. On est obligé de revenir sur nos pas. On va revenir par là tout doucement. Encore plein de mecs. Roulette, tu peux venir aussi ou pas? Attends, restez là. Allez, roulette, dépêche-toi, roulette. Oula, il est passé la seconde là. Non, toi, reste là. Billy. Tu te rappelles comment on pète le genou des dames? Comme ça, les genoux! Rip le respect. Oula, Bernard, il nous a vu. Bernard, il a faim. Bernard, il en veut. Allez, grand coup dans les dents dès qu'il arrive. Tiens! C'est pas un buffet à volonté ici, hein, t'es pas au KFC. Allez roulette, toi tu viens aussi. Allez roulette, viens roulette. Alors, la caméra, putain. Ah, la caméra est tellement moisie. Attends, c'est où la caméra? Ah, c'est là. Hop, on prend les deux.
La roulette aussi. Qu'est-ce qu'il est en train de faire l'autre? Oula, il y a du monde! Tiens! Voilà, ça va, ça arrive pas par derrière. Il y en a deux. On va laisser Billy s'en occuper. Non, Billy, 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 fais balcon, Billy. Cours, cours, Billy, cours, Billy, cours, Billy. Oula. Ça pue, ça pue, ça pue. Allez, sur lui. Sur lui, dans la tête. Voilà. Encore. Bah, l'arme, plus il tire de près, plus il fait de dégâts, quoi. Vas-y, recharge. Bon, là, il reste une, on va économiser les balles. On y va. Ah non! Mais non, mais c'est un zombie! T'es censé l'avoir en 1 contre 1. Bon, bah, on a perdu. Bon, bah, c'était nul. Bon, bah, ça a été là. Voilà, c'était pour vous faire une petite, un petit truc là-dessus. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. À liker, à commenter. Vous abonner aussi sur mon Twitter où je suis pas mal actif pour connaître les lives quand je fais des lives et donc le Twitch aussi qui va avec. Voilà, il y a tout dans la description. De toute façon, faites-vous plaisir. Là, likez, bourrez les pouces verts comme un sac. Allez, à bientôt. Salut à tous.